Il vient pour leur livre de foi, d'espérance et de charité.
Thank you.
Juifs
upaya istilah kondi bersama kita sedikit istilah upaya istilah terus bersama kita desa kita kalau istilah Yeah.
Le aswe rive, jou sa, premye jou semen nan, tout pot yo te feme, kote pati yo te rassemble, kote juf yo, te peye juf yo. Jezu rive, li kampe nan mi dan, li di yo, ker pose pou nan. Pendant li tap di sa, li moudre yo men yo, à propos de là, à disant y'a un bon temps, là y'a un bon moment là. Les dix ans encore, quel cause pour nous? Même ton papa a fait un an, moi-même tout, moi voyais tout. Les fait de ça, les souffler, les dix ans. Mais ce pas les souffrés, c'est moi, nous me faisons péché, Pécheur à prévenir, mon nom qui est pécheur, la prévenir, qu'aimer. En nous faisant mort, je vois le moment d'aller de pouvoir. Sœurs et frères bien-aimés, joyeux anniversaire à vous tous. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à fêter la naissance de l'Église. Je dirais, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'Église catholique, l'Église universelle. Je vous dis bonne fête parce que nous disons souvent l'Église, c'est nous, c'est l'Église. Nous, c'est petite l'Église, l'Église enfantée. C'est fête enfantement ça que nous avons célébré jeudi. Je profite de cette occasion pour remercier notre groupe charismatique. Bonne fête à tout le monde charismatique dans la paroisse là. Bonne fête. Merci à tous les réunions qui viennent jeudi pour supporter nous. Merci à tout le monde qui a appris avec moi à travers Radio Télé Solidarité, à mon qui a accompagné Frère Buto qui l'a avec nous. Merci à Fouenou Walter qui est toujours là pour supporter nous pour retransmettre l'activité faite dans la paroisse. La fête de la bonne que nous devons vivre notre vie de chaque jour à l'état de mission. Chrétien, c'est missionnaire, c'est Yon Abakaï qui veut toujours rester dans l'esprit. Donc, nous, c'est missionnaire. Et nous savons ça, Jésus fait comme un roi de mission, non seulement toi pour nous, mais pour nous-mêmes, comme le Père. Les paroles de Dieu ont dit que Jésus voulait nous, côté que lui-même était gagné pour aller, pour ne pas aller, et bien lui voulait nous. Aujourd'hui, Jésus voulait utiliser Dieu pour aller faire mission pour lui. Aujourd'hui, Jésus voulait nous utiliser l'intelligence pour pouvoir partager son bonheur sous mon Dieu. Jésus voulait nous partager la foi aux croyances avec monde qui nous fait noir. Cela veut dire que l'Esprit Saint nous est donné pour faciliter notre mission, pour transmettre à tous les hommes et les femmes de bonne volonté ce même Esprit qui est un don du Fils aux hommes. Jésus tellement aimé nous et il m'a donné l'Esprit même que gagne l'Esprit qui unit avec Papa et c'est ça qu'il partageait avec nous. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous conduire vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui a fait que nous croyons que tout ça que Jésus t'a enseigné, nous, c'est la vérité que nous devons révéler sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes. Il nous rappelle les paroles de Jésus qui est venu pour nous révéler
Et c'est l'Esprit Saint qui fait que tout le bagage est saillant, que nous reconnaissons mon Dieu comme mon Dieu, nous, et mon Dieu, nous, 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 en ville. Vivre la parole, c'est accueillir ce don de Dieu qui nous laisse imprégner par son amour. Cela ne se réalisera que si nous avons un cœur de pauvre entièrement ouvert à Dieu et aux autres. L'Esprit Saint fait que nous ne sommes pas égoïstes. Il fait nous penser avec frère, avec celui que nous partager l'expérience que nous-mêmes nous gagnons, nous fait avec mon Dieu, avec l'autre. Si nous restons enfermés dans nos certitudes et notre orgueil, rien ne sera possible. Nous n'avons pas besoin des mondes, Jésus n'a pas besoin des mondes qui seulement veulent faire aux chrétiens, seulement pour eux-mêmes, pour venir faire aux chrétiens, ou ces chrétiens, et bien pour capables de vivre la foi et partager la foi avec l'autre Dieu. Tous les baptisés reçoivent le don du Saint-Esprit et tous reçoivent de ce fait une mission prophétique. Nous, ces prophètes, tous les jours baptême noir, pour nous capables annoncer parole, mon Dieu, dénoncer les injustices sociales, si il y a un mal qu'a fait autour de nous, eh bien, nous, parce que nous sommes des témoins du Christ, nous devons avoir ce courage de dénoncer ce mal dans nos milieux de vie, dans nos sociétés, parce que nous, c'est témoins Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul s'adresse à des chrétiens divisés. Il vient leur rappeler le rôle de l'Esprit Saint à l'intérieur de la communauté. Chacun a son charisme, vous dites de ça, ses qualités, mais personne ne doit voir supérieur aux autres. Nous, chaque niveau par nous, les non-vins baptisés, Jésus répand l'Esprit Saint avec tout ton sous nous-mêmes et il baille pour chaque un don et un cadeau spécial, mais pas personnellement pour nous-mêmes, mais pour la beauté de l'Église, pour partager ensemble, pour nous capables de faire l'Église comme une communauté de frères, pour nous capables de vivre côté chacun sentir réellement. C'est une famille, l'Église, c'est une famille et nous devons sentir plus à l'aise, nous sentir contents chaque fois que. Célébrer la foi et célébrer l'Eucharistie. L'Esprit Saint n'est pas seulement réservé aux évêques, aux prêtres et aux diacres, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était Moïse, c'était l'Esprit, c'est pour pareil qui seulement et Moïse qui est l'Esprit là, et avec nous qui accompagnait, et puis seulement avec les prophètes. C'est eux-mêmes qui gagnent accès avec l'Esprit. L'Esprit Saint est disponible à tout le monde. Si bien qu'il commençait à parler en différentes langues. Pendant que j'étais réunis ensemble, Jésus demandait à vous prêter là dans la prière. Et voilà, l'Esprit Saint a venu en langue de feu, descend sur le même lieu que commençait à parler en plus langues. Souvent communication. Mais la langue en elle-même est insuffisante pour unir les personnes, pour unir les nations. Il est dit que le jour de la mort, chacun était en mesure de comprendre les sages et les apôtres. Cela ne signifie pas que les apôtres parlaient un langage complètement nouveau. C'est pas ça. Ça veut dire que qui parlait en langue, qui nouveau, c'est pas ça. Les apôtres parlaient un langage qui unit tout le monde, un langage universel pour que tout le monde ait recevoir parce qu'ils étaient unis, l'esprit de cœur, pour vivre seul. C'est ça qui fait que l'Église catholique, même si nous ne pouvons pas parler en langue, parce que nous sommes unis dans l'esprit ou avec un cœur. Comme vous sentez vraiment, vous participez comme si vous comprenez tout le bagage qui a passé. Et même si
C'est le langage de la paix au lieu de la guerre. Jean-Jésus dit, la paix soit avec vous. Nous mesurons la paix partout sur la terre. La terre est la paix, le pays par nous ici. C'est la paix dans nos familles, la paix dans le monde, la paix en Haïti. C'est ça que nous besoin pour nous cultiver ça. Le jeune travail pour cultiver la civilisation de l'amour. C'est le langage du pardon au lieu de la vengeance. Il est même haïtien, nous finissons avec Bagaïsa, depuis 10 minutes, je vais tomber sur l'estomac. Eh bien, nous finissons avec ça. Bon Dieu, nous finissons avec nous. Bon Dieu, nous finissons avec terre, avec nous-mêmes, avec comme nous-mêmes haïtiens. Eh bien, Haïti, on existe encore parce que bon Dieu, lui-même, nous considère nous. Il est important, nous-mêmes, pour nous réconcilier entre nous. C'est le cas ça que l'esprit qui t'est envoyé avec lui-même peut te permettre de parler. Et c'est le cas ça que Jésus, je dis, a besoin que nous-mêmes, nous taisons, toutes fidèles, toutes nous-mêmes qui sommes des témoins de Jésus-Christ, pour nous capables de parler le langage de Salvador. C'est le langage de l'espérance au lieu du désespoir en chrétien, soit un homme qui a une bataille et qui toujours pourrait avec le lendemain meilleur. Dans la situation, pays d'Haïti avec notre pays, est-ce qu'on nous capacité de nous dire pas de chance encore pour Haïti? Non. Vous devez toujours gagner espoir, de toujours connaître mon Dieu capable de passer le cœur des mondes, les conversions signées de paix, conversions qui fait la prière du vrai chrétien, du bon citoyen, capable réellement de changer Haïti, de changer Déa, de changer le monde. C'est le langage de l'amitié au lieu de l'hostilité. Et des fois, il y a des gens qui font le ciel, et on le fait, apporter l'os, c'est pas possible pour l'enlever, pour le côté, pour avoir salué, et on a avec l'homme, nous sentir réellement que nous sommes des frères et des sœurs, et c'est donc à ça que Jésus lui-même, il besoin de parler aujourd'hui. C'est le langage de l'unité au lieu de division. Jésus, unis-nous ensemble, il veut nous faire ensemble. C'est le langage de l'amour au lieu de la haine, marie, personne qui s'appelle pour marie. Ici, on ne sait pas capable, si même elle est pour partout sous l'air, et si pas les bagailles qui ont parlé de ces expériences personnelles, si réellement. Ce nouveau langage que parlent les apôtres donne naissance à une nouvelle communauté, la communauté de ceux qui croient au Christ, la communauté de la foi et de l'amour. Bon, les apôtres, à la Pentecôte, nous avons la nécessité d'être emparés par l'Esprit Saint pour parler le langage de la Pentecôte. Nous avons besoin que l'Esprit a envahi pour qu'entrer dans le sang. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous remplir d'une force afin de prendre notre vie en main et notre responsabilité. Jésus-Christ pour nous prendre, faire travailler nos propres vies. Tout le monde qui s'est partisan de Jésus-Christ, c'est missionnaire que nous y est. Au parler de ce langage, que parler des apôtres de la parole, nous devons nous aimer les uns les autres. Soit capable on est capable de vivre comme frères et sœurs dans une seule église, dans une seule communauté. Malgré les faiblesses et les doutes, le Seigneur continue encore à nous faire confiance. Il connaît qu'il est nous parfait réellement, je nous t'annouille, mais il fait nous confiance. C'est vrai, les noms, c'est que il connaît nos capacités et si nous-mêmes, dans ce monde difficile, monde où la majorité des gens ne s'intéressent pas.
plaisent pas à Dieu. Dans un monde de plaisirs de toutes sortes, nous ne devons pas oublier notre grande mission, ni oublier le travail et mission que Jésus confie à nous. Nous sommes des disciples missionnaires. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé, monde-là n'est pas même gentil et longtemps. Nous sommes capables de changer en fait. Il faut créer une nouvelle méthode, développer un nouveau style, un nouveau langage pour annoncer le Christ à cette génération de jeunes et surtout à ceux et celles qui ont perdu le sens de Dieu dans leur existence, dans leur vie. Jeunes après jeunes, statues sous terre, pour vivre dans fait noir, pour voir Jésus est complètement absent de la vie. Et qui, Jean, je dis, en cas, chercher une autre méthode, c'est ce que le pape sœurs et frères bien-aimés, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer notre nuit, qui vient nous donner une nouvelle orientation et nous mettre sur le chemin de Dieu. C'est Jésus qui a dit nous, redressez-nous, qui a mis nous au chemin correct, là, c'est chemin la vérité. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint soit toujours présent avec nous, qu'il nous donne François nous invite à ne pas devenir une église fermée sur elle-même. Si l'église là est fermée sur lui-même, mais je dis, j'en aurai une église là, bien voilà, bien belle, nous vraiment belle. Eh bien, c'est parce que l'église là, à cause du Dieu, du prêtre, travaille ça, sur ça, que Jésus nous a confié. Oh, c'est que nous sommes partis, à trois ans, j'ai expérimenté la voix. Et nous n'avons pas besoin d'un chrétien qui chita-chita, nous avons besoin des gens qui vivent, vraiment, qui transmettent l'évangile là, par tout le monde sous terre. Nous sommes donc poussés à sortir sur les places pour communiquer avec les autres grâce au langage de l'amour. Pas vous, Jean, cette oblige très vive, souviens-les de leur cœur, et bien, on peut communiquer avec tout le monde. On peut parler avec tout le monde, on peut dire avec tout le monde. Parce que c'est un monde qui sent la vie, et bien, remet le cœur, remet le foyer au premier heures, mais facile encore pour transmettre l'évangile à la voix de Dieu. En nous donnant son esprit le jour de notre baptême, le Christ a ouvert les portes verrouillées de nos cœurs et nous envoie dans notre milieu de vie où nous nous efforçons de créer le monde. Un monde plus humain et plus fraternel, un monde d'amour. C'est ça que le pape François dit, et que c'est ça qui fait la Pentecôte là, et c'est ça qui s'émission aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, prions sans cesse Dieu afin qu'il nous donne son esprit de feu pour embraser nos cœurs. Le grand ennemi de la foi et de l'amour, c'est la peur. Parfois, soit dit, nous avons quitté la peur en bas. Écoutez ça, Jésus, par la paix. Nous avons senti nous à l'aise, nous n'avons pas quitté rien. Faites-nous peur, nous avons fait travailler, nous avons que Jésus réellement, il y a avec nous, il est présent avec nous. Mais si Jésus est avec nous, on ne va pas vivre dans la peur. Mais si vous demandez Jésus, sous senti, on va vivre parfois dans le climat de peur. Je dis à ce jour pour aller Jésus en libération, pour faire l'Esprit Saint rentrer sur nous, éliminer l'esprit de peur, ça, car nous sommes capables vraiment de libérer nous, pour faciliter le travail que Jésus confie là. Seul l'Esprit Saint est capable de le
Jésus lui-même au Père pour renouveler l'effusion de l'Esprit. Demandez, mon Dieu, nous livrons avec lui ici en l'air, avec tout ce qui est dans le ciel, avec un pot de Dieu, pour nous demander Jésus de venir pour renouveler l'Esprit Saint, force l'Esprit Saint pour descendre sur le baptisé, descendre sur toute partie de Jésus-Christ, pour nous capables. En avant, mettez-nous dans le travail. Que chacun de nous, chaque groupe, chaque mouvement en union avec l'Église se dirige au Père pour demander le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, comme à la naissance de l'Église, en union avec Marie, la mère du Seigneur et la nôtre, l'Église invoque Veni Sancte Spiritus. Répétez avant moi. Veni Sancte Spiritus. Encore. Veni Sancte Spiritus. Viens. 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 Esprit Saint. Viens. Esprit Saint. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Viens. 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 Esprit Saint. Viens. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Et allume
leur dit, je vous envoie. Que les responsables politiques du monde entier aient à cœur d'édifier un monde qui témoigne de la beauté de la vie que tu donnes. Ensemble, dans le Seigneur. Ma prière pour toute jeune fille, à
Va pouvoir Jésus-Christ va maintenant. Amen.
Yeah.
charité, joie de longanimité. En communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je reçois votre consécration à l'Esprit Saint. Que Dieu, le Saint-Esprit, anime en vous la chaleur, la foi au-dessus des apôtres et vous aide à rester fidèle au Seigneur, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.